Baillez, si vous êtes sous, vous êtes bien.
Combien de jours me reste-t-il pour ma vie si terre? Enseigne-moi, dis-le-moi, mon sauveur. L'âme chaque jour, les pleurs chaque jour, ce jour. Que je suis pèlerin sur ce que t'es là, je suis un pèlerin. Vous soyez loin de la part de Dieu notre Père, de Jésus qui se fait du Père et du Saint-Esprit, notre Consolateur. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Grâce Seigneur, parce que seul tu es Dieu, ta gloire, tu ne la partages avec personne. Nous reconnaissons, Père éternel, ton amour, du fait que tu as donné à notre amour, ta servante, ta bien-aimée, Maman Auguste, que ton nom soit célébré. Et lorsque est arrivé le moment de la reprendre, Seigneur, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, c'est toi qui as sonné le son de glace sur elle. Là également, nous te disons merci. Père, pour ce moment, nous voulons passer au-devant de toi. Nous prions que tu viennes, que tu sois avec nous, afin que tout ce que nous aurons à dire, faire penser ici, ne soit que pour t'honorer, toi, le seul vrai Dieu,
Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, que nous avons prié. Et que nous avons appelé nos péchés aussi. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas de la tentation, mais délivre-nous du mal, car cela t'appartient. Peuple de Dieu, écoutons cet extrait de la parole de Dieu qui nous dit « Je vis un autre ange à terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un autre ange, un second ange, suivit en disant, « elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, lui, dit l'Esprit. » Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Nous n'avons pratiquement pas de temps à passer davantage, mais sinon un message que nous voulons communiquer. L'ange dit, l'ange qui est le messager de l'Éternel dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Nous sommes à l'ère où la méchanceté est devenue la chose la mieux partagée. On se retrouve, il n'y a point de paix entre nous. Chacun fait comme il veut. Mais, je vous assure, tel que nous avons partagé, tel que nous avons lu, le méchant ne va toujours pas résister. Et le salut dont nous avons besoin commence maintenant. C'est vrai, nous disons, c'est dans la douleur que nous nous séparons avec maman Auguste. Augustine. Mais nous voulons dire que l'heure est arrivée où véritablement chacun doit craindre le Seigneur. La crainte de l'Éternel se manifeste par l'amour que nous avons pour notre prochain, par l'adoration au seul et vrai Dieu. Et après cela, tel que le dernier verset dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Quand une personne de cet acabit, 92 ans révolu, décède, pasteur que nous sommes, nous pouvons dire gloire à l'Éternel. Et nous pouvons dire pour maman Augustine, assurément, elle se repose de ses œuvres. Donc le message pour nous, c'est que lorsque le son de glas arrivera, sonnera sur nous, que nous nous reposions plutôt de nos œuvres. Parce que nous aurons passé notre vie à craindre le Seigneur.
À bon entendeur. Salut. Prions le Seigneur. Tu saisis toujours des occasions de ce moment, de ce genre. Et tu saisis les messagers pour nous annoncer ce dont toi, Dieu, tu es capable de faire. On demande de craindre de nous permettre. Venez, venez.
Il va lancer. Nous disons que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, le Fils du Père, et du Saint-Esprit, notre Consolateur. Amen. Amen. En allant, regarde ici. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place
que lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bye.
continuer notre adoration. Manuel Nieto, 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 Manuel Nieto,
Que me suscitaient les embûches des justes.
Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur que s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se met à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verra plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu reste éternellement. Que le Seigneur soit avec chacun de vous. Amen. Amen. Nous avons lu un livre de la Bible qui est jugé ici comme un livre historique du Nouveau Testament qui se permet de relater certaines histoires qui montrent le vécu des disciples et l'implantation de l'Église primitive. Et là, l'acteur principal se veut Paul, qui dans ses voyages missionnaires va arriver pour implanter l'Église. Mais Paul va trouver des difficultés dans ses voyages. Et parce que Paul a compris qui est le Seigneur, il va s'adonner totalement à servir Dieu
trois fois saint. De tout son être, de tout son corps et de toute son âme. Mais qui est Paul? Paul, a grandi dans une très grande école, sortant de l'académie de Gamaliel, où il a subi des cours qui montrent ici la foi, mais qui va à la limite perdre Paul, parce que Paul va se mettre à servir un Dieu qu'il ne connaît pas. Et cela va amener Paul à faire des bévues, des erreurs, des péchés. Presque Paul sera égaré. C'est ainsi qu'un jour, il sera appelé à aller détruire ceux qui parlent au nom de ce Christ. Et en cours de route, ce garçon qui était plein de foi, de vigueur, de force, il se fera saisir au cours de ce voyage. Et il va tomber aveugle. Mais une question lui sera posée. Paul, Paul, Saul, en ce temps-là, pourquoi me persécutes-tu? Et il ne va pas reconnaître jusqu'à ce que la voix va se présenter, va lui dire: je suis le Seigneur que tu persécutes. Et on va envoyer Paul dans la ville et Dieu va susciter quelqu'un pour apporter de la guérison à Paul. Et c'est en ce temps-là que Paul va même changer de nom. Au lieu de continuer à demeurer Saul, il va devenir Paul. Et il va donc se mettre à travailler pour le Seigneur. Il y en a parmi nous des choristes, des pasteurs, des anciens, des diacres qui disent travailler avec Christ, mais qui continuent à conserver les mêmes noms. Quand Dieu s'est saisi de toi, il te change. Alléluia. Amen. Il te change. Paul, Saul va perdre son nom et il va devenir Paul. Et il va s'atteler à apporter de la bonne nouvelle. C'est donc ce Paul que nous voulons parler ce soir. Et qui, dans ce voyage, va vouloir quitter Éphèse. Et il va donc envoyer les anciens d'aller à Milet pour dire aux anciens de l'église qu'il a mis du temps avec eux. Maintenant vient le moment de partir. Il y a un temps pour chaque chose. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Il y a un temps pour chaque chose. Vous qui êtes présentement vivant, il y aura et il y a déjà ce décret signé pour chacun de nous, appelé à partir le moment venu. Paul doit donc quitter, après avoir implanté l'église à Éphèse, et il doit aller. Mais ce que je voudrais dire ici, je voudrais que nous puissions comprendre Paul dans sa présentation, lui-même, le témoignage que Paul rend quand il sait qu'il a servi Dieu. Bah, njena ni kirena ni gala karba ki Paul a éporna.
kala ne yi kiki bebe ningi ipolana ninoga membe murni suhul nyu ayile balu mal babar mur le pola itoy hala muna timbe le pola ye nlelempi ndiba nanga kiri kuri na kuwani bala kala nu musundul nyuwe tome num purubiye Kodingbuk. John Paul, alors ni akarba, akale, ni yima mama sona mbama, ipona nan, kikinduru. Mesal kere nan, miso mebe, jam jokjo, miso mebe, kiye Yesu Christo. Ndi, imal kilamele, mehabi pula nan. Nitele, Borba Grikia, Baba Kenev Nanoklom Nibes, de l'anabokere Hemle, le Boba Sonabayi, Yesu Christo Bako Natobi. Ninu le Malking along Nimbu, Meyeke, Meyime Toma Pam. Maintenant voici lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Njel ibe wa sonar ye kwe ler jobri ke. Eye njel paradi. Bani ima bambo mlebe nyoy. E song na likebe. Pol nuri ye angal ki ye abe na hem lengui. Nye na kaleme ime mama ye peme ma peme nye nyobi su. Ni karni gabe le. Nge rabe job nyon. Abe kohna nduru. Ilel nduru. Ikeri manduru mama sonar. Ba uyenkobaga le mba iye wabisu wapam ekohnal yene hala bomandigile mamal koba ntengera wasona wamera yihana komusini le utibil mamo matsona njelion yosona Hanyen toka le ba mi me yom ya bong na me nyo. Ndi, me yi le mbong pubi amal ni gamele. Nduru, ninduru, yoni bong le me nyo visu. Paul, ayen chola, iber boba son amal te entong. Le amal kahan ni kena no. Ba, Asobe yome. Kiki intelega mono bomba bokwet. Yakena minhinga libusu. Egrale nyo kishin. Babongle malib malega. Baba, nous avons l'air pour les nouveaux jours. Nous avons pour nous gagner, nous avons des grâles pour ma corba, pour nous y voter. Basse, il y a pour nous là. On va jouer. Mais il est. Diga. Mbombok. Maman Gengara. Ici, passe au second. Mousse. Ala. Le bolo yaba nous bonbon aviga lega et bisle maya baba bang kokal de bombi ala a ka ki bisle
Obadje, Bagnon, Lenyemere, Aba, Mourano, Aile, Ankap. Il est au bal Mohalaki, un yap, le cabli, le baïhana, à Tirale, John Ahoum. Il est là, il est là, John Pen, Yaboma. Balbon Pamle, Yamla Hengla. Yaboma, mais pour la nulle, Mouno et Bombin Tilbana. Ibara se be halale mambo wi bo baso na be bon ba gwe ma pep ma ni rayale ba ndege yake ba hana yami mambo wi mama be mu mambo wi mu na mba na libi mlimili itabe pera jamu. Il va bon pamle, il ne va mourir à la porngim jam. À la porte. John, Anakouani, ma part de mêle, jam qui est bon bourri, mon maïs, à part de mêle. Regarde, Kerala, il y a un peu de temps, il y a un jam. Que le Dieu qui pour l'instant suspend sa colère sur ce monde rebelle afin de ne point le consumer nous accorde encore dans sa patience de nous ranger à lui pour que avant qu'il ne nous retire de la terre nous soyons réconciliés avec lui afin que au jour de notre départ l'on chante que nous sommes allés vers le Père et que sa grâce remplisse chacun de nos cœurs et nous fasse arriver à cette félicité où on chante. Ah!
oba ami o ko fe mi na ifo otoye pale oba ami o we mi papa kene wo yo na e ma mo ma so don kene ga yo na e Gracias.
Yeah.
Aujourd'hui, soit tenu. Augustine, nous
Amen. Libérez le devant là. Une grâce offerte ce matin aux grand-mères. Ceux qui sont venus accompagner la famille Maman Zora pour le départ de son épouse, Madame Ngondé. Il restaure mon âme, il me plaît son nom. Quand je marche dans ta houlette et ton bâton me rassure, tu dresses devant moi une vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Celui qui garde l'Israël. Hey!
Yonosia atuge atemirin opemel bani gilbe aoudabondondo imatone imome antuge antuge Paradis
Yababé. Maman Augustine, qui atterrit ici pour la dernière fois ce matin. Je me retrouve chez moi, en Pays Bassa. Je crois que j'ai une langue aussi que je peux utiliser. Monsieur me passe la parole en français. Il a déjà été fait ici hier soir. Il fait comprendre aux gens que moi, je suis Bassa. Et j'aime mon patois, même si ce n'est pas une langue. Yirabéa. Niyi yom inkorbisana. Mehong lagale ngen maemble burbo basuna. Dimitya hop. Yimele men ma burul. Ndi ala ki ba ma te yimele me porjam. Ntibe ma yegale ni yon nduru. Lo yega mayes bobok. Mura nono ti yega. Memba na mbom. Lengen an lohana li bi yakta. Ugwe wimi samay. Albo sita Janet Momo abakhana ibe baka hola me ndimi ma senga nda nyule e kel ba be yuganye we be te le sango le lo nyope le be lo pe miwa le be lo le pe ndo we ibe ma ndimi be te le sango be baka le sango le jon li e bor bana le te le Amma, Yeg Best. Now we help me. You let him, Milame Covolio, the Vassa, the Porio Nicolas. Sohnana, Sohnana. La seule chose que vous emportez avec vous. Lorsque vous quittez, et tout ce que vous avez laissé derrière vous. Et bien, il y a un port, il y a un calé, mour, un kenabe yom toyara, dit mour, un yek, yom, il y a un somo kobla, un yom port. Ama, un yek bes, dit un skale, dit ba, l'ouni, sam. Ou bak, et kere len ye borba le ba mbor lo souba bala yo ngien aboroke ngi ko ni mboro bo ni mumbo ni misama lo anon ngi ko ni mboro no ngi ko borba ni misambo donc voyez que Bujo blue in me, Sam Bok, let alone I get this. Yon, we saw her let Kelo Sam. Balbo, I bambo nayo, Ubomanyan yo, Tolepoma bonyo, Ukabele, Carabole, we get me let me, Sam. In the reckoning, in the whim, Oma, Wanda Augustine. Ukamboro, le téléphone est à Yima Soupinangani. Baba Kahavi, the lamb, ni insan. Mewami Kulibi, Menumi King, Indoyim Iliba,
iba saba uri ndurim iliba ndurim ruku meni ban sibile ngombe onori ngombe ni bankale ngum ngum bwa be kwa me babi ban sibile ngum David ngum David ibe kwa David babi ban sibile ngum ari ngum ari be kwa no agwa ngum ari abi barkum ngum barkum ngum agwa barkum njili njili agwa barku barku lwahana inangan manyangu ingonki nwe agogwe ni mumojak indu yim ileba itumbare loriwa ni ngutu ermin no abelo ilong indumbe ibisu etuburu tuburu tayi yale maka onba suwa waso leba ni banaba fami mumu Jeremy ngole nkor nan numa su nunu ayike ni gwei peto mu sumlani le ni yende ni bandulu ni bamurwara le ifami ima bangpe biki asuga ni ile nyong nan alune hom biki nban lon perle bi e jamriki ibabang le eleriyi rekaha ya pohobur ni chino inyu ile ngenjenu ngenjenu agonde mumu ugisi ijori basuhu suhu bandu yim bamumu jak bamumu jeremi ngombe ari unjili ngombe martin ngombe david jombe paul bayard etel mumu ibabo basule bam kenel nisan njeburki ugo basule bamalu nemu batintimu nje unu bang nyule imu nguna umbong umbong yingi kene nisan kanbene bonbon kanbene mbayon isuga uyif ukanbene kilong yok imaka nyule munu ungwele yingi i lo long indu yim ukanbene ki long indu yim ritiri basusu asabaye no bagu yibini nyule na martine na longen kili Nimpori hili bara, njibe bandoli yo basaba huli bibori, nombora mpo, basaba. Nke lungu nivisu, nilege lehali nkonda Augustine, yomere, uwera yi. Apolo yi kabla kwa limuwa. Kuna kubati msong, yule yi kabla kubati msong. Esi la bunga? Na bunga yi. Asablu, yu wu, mbongu. Yaba ngiri maso. Les membres de des communautés villageoises de Ndourmbe et Ndourim 2 vous adressent les salutations. Et nous convions en ce moment pour que le Tout-Puissant, détenteur de tout ordre, préserve chacun à son retour sans heurte. Depuis le 4 mai, le glas a sonné pour celle qui était pour nous comme le dernier rempart du maillon Mumojak père Ngoto Hermine, mère, et s'en est allé dans la gloire de Dieu. Elle a joui de sa vie, elle a connu aussi des souffrances. Je voudrais également dire que celle-ci naît le 7 août, plus tôt, 1932, à une période où
l'Afrique est un mal de repère. Après la Deuxième Guerre, c'est le partage de l'Afrique en 1929. Aussitôt en 1932, elle naît. Subitement, nous entrions dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je me souviens de ces histoires. Toutefois, on la poussait sous le lit, on s'endormait pour éviter ce que nous tous nous connaissions. Aujourd'hui, elle tire sa révérence. Notre fille, notre mère, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère a vécu dans la simplicité totale. À aucun des moments, elle n'a eu à faire recours à l'homme, comme les gens cherchent quand ils sont en mal de position. Aujourd'hui, je peux dire, ma mère, tu as été avec nous de tout temps. Tu as été notre complice. Tu as été notre collègue. Nous t'avons connu. Et tes frères et sœurs t'ont précédé dans cette voie. Va en paix. Oui, Rabbi. Nous aimons beaucoup. Hop. Il m'a dit, hein. Radimé de ton gagné, ô mon père, ô savoir et ô mamaye, ô doudou et titinant, Timba, Timba en Samor, Samor en Colo. En Colo, nous sommes Bakin, Bakin Balipinda, et Ndombe, et Bissou, et Passabangoui. Petit Mba et Papa Sora, Payera, et nous voulons, Passo Boleri, et Toro Pumpe. Oye si bele, Nguru Ermin. Abe Ngon, Ndombe, Ibisu, Iritin, Re Lo, Ikiila. Abe Wola, Nisango, Pasi bele, Momo Jacques. E Ndoyem, Iba, Iritin, Re Lo, Miko, Babi Kwa, Bon, Bana, Bura, Ba, Moulou Mwara, Nien de Tano, Abari Amou, Tere Boumbe, Mbouboye, Nguru, Hermine. Tanti, Agwe Bolo, Bula, Hana, Inimba, Bolo Gwe, Vinene, Et vous pouvez vous dire, vous avez un ennemi. Tanti, à part nous, ensemble, nous, Ndolo, nous, Ripip, nous, 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 nous,
Ngwang Ngwe Ayiribo Mbaya Digna Ripib Patitala I Memap Inula Tanti Egwe Tobo Tobo Jamika Gwe De Yakavale Gi Ingwe Le Nabemunu Konsi Irak ou Eritier John Ritanda Mounonje et Makoubi. Nous sommes là. Bien que les sommets. Particulièrement connu, même si le temps que nous avons passé était très court. Et donc, vraiment, c'est une maman qui m'a particulièrement affectionné. Ça, je pleure aujourd'hui, pas forcément une belle grand-mère ou alors une. Je pleure une maman, je pleure quelqu'un qui m'a accompagné dans beaucoup de choses de mon couple personnellement. Et j'imagine que si elle a fait avec moi, elle a forcément fait avec beaucoup d'autres de mes tchangos, entre guillemets. Donc, ouais. Donc aujourd'hui, sincèrement, je tiens à lui rendre un hommage en lui disant, Adi, va, repose en paix, prépare la place pour nous. Ton cœur a été aussi bon que tu as vécu. Aujourd'hui, à toi les fleurs, à nous les pleurs. Et à vous qui êtes venus, merci, merci de nous accompagner, merci de nous soutenir dans cette douloureuse circonstance. Que le Seigneur qui vous a accompagné vous ramène également, chacun dans sa demeure, aussi saint qu'il soit. Et que le moment que nous allons passer ensemble soit très convivial. Pardonnez-nous des quelques ratés qui pourraient survenir, sincèrement, ce n'est pas de notre volonté. Ce sera la vie, ce sera des choses sur lesquelles on aura vraiment pensé à tout, mais qu'on n'aura pas, très sincèrement, comme on dit, vraiment géré les choses dans les moindres détails. Merci, merci à tous. Que le Seigneur nous protège. Nous raccompagnons aujourd'hui à la dernière demeure. Alors, nous sommes à présent, à la suite de notre programme, à passer la parole à l'un des petits-enfants, une de ces Adi Iwara, nous Atabina, Dignon Homa Aïe, nous Bonglé, A Chula Majomi, Dignon Maïe, A Omwin, Manyang, Kusura Christian, A Angango, nous Bonglé et Kamna. Le cours de ma sœur Soga Fidèle est intitulé comme suit, je cite. Je suis Ngosoga Fidèle, fille de Ngobata Lik. Kam, Marie Virginie, petite fille de Bata Likam de la chefferie Lindoï. Mon témoignage porte sur la générosité de Sita, affectueusement appelée Adi. Peu de personnes le savent. Ma sœur Marie-Claire et moi sommes des enfants naturels et avions bénéficié de la chaleur du foyer Sora au même titre que tous les autres enfants. Le souvenir le plus marquant que je garde de Sita remonte de mon enfance. Après la rupture de mes parents, notre mère nous a ramenés dans la famille Lindoï. Nue était l'intervention de Sita, co-épouse. Nous serions les Ndoksoul actuellement. En effet, elle a pris l'initiative de nous chercher et de nous ramener au milieu de nos frères et sœurs. Cela a commencé par les visites fréquentes, puis par les démarches de nous prendre avec elle. Une fois revenus à Makak, nous avons intégré la famille et nous avions été traités de manière impartiale jusqu'à notre départ de la maison. Ma reconnaissance va à l'endroit de Sita, parce que peu de femmes sont capables de traiter avec autant de générosité et d'impartialité les enfants qui ne le sont pas de leurs entrailles. Ces deux femmes
en général et particulièrement Sita, à qui nous faisions nos adieux, ont constitué notre figure maternelle. C'est donc une occasion pour moi de lui rendre hommage et prie le Dieu Tout-Puissant qu'elle a servi de lui compter cette générosité à mon égard comme bienfait. Puisse-t-elle bénéficier d'un repos mérité auprès du Très-Haut. Va et repose en paix. Sita. Je suis Ngonsoga Marguerite, fille de Feu Thérèse Ngongué et de Soga Emmanuel qui nous ont quittés, respectivement, il y a 28 ans et 17 ans. Je suis 9e enfant de ma mère. Et je suis 8 sur 10. Et je suis 15e enfant de mon père. Notre maman qui nous quitte aujourd'hui, c'était ma 2e maman. Parce que quand je nais, c'est entre ses mains que je tombe. Et c'est elle qui annonce à ma maman que tu as accouché d'une fille. Pour ma part, elle a pu et su gérer l'après-départ de ses deux compagnons. Une maman accueillante, conseillère, aimant la paix et la calmie, quel que soit le degré du problème qui se présente. Mère Poule, obéissante et surtout respectueuse envers ses compagnons, parce que elle n'avait jamais appelé ma mère co-épouse. Elle l'appelait toujours belle-mère, mère de la maison. Et ma mère l'appelait mère des enfants. Puisque durant notre vie d'ensemble, moi je n'avais jamais entendu comment elle appelait ma mère, même par son nom. Par contre, ma mère l'appelait souvent par son nom. Elle appelait souvent toujours ma mère, la mère de la famille. Si bien que moi, étant au cours élémentaire 1, on me demande quel est le nom de ta mère. Je dis que Doro, pourtant c'est le nom de ma tante. Quand il demande à ma mère, mais je suis partie à l'école, on m'a demandé ton nom. J'ai dit que Doro, elle s'est moquée de moi. Elle dit que mais, depuis que nous sommes ici, je n'ai jamais entendu ta co-épouse t'appeler par ton nom. Donc je ne connais pas ton nom, mais c'est au cours élémentaire 1 que je connais le nom de ma mère. C'était tellement un peu déplorable pour moi. Cette dernière ne l'appelait jamais par son nom, ni co-épouse, belle-mère ou mère de famille. Entre les deux, il y avait une complicité et une entente, si bien que parfois, quand elle s'entretenait, elle s'entretenait en un autre patois, sauf le bassard, pour que les enfants n'entendent que ce qu'elles se disent. Donc la complicité était tellement accentuée par rapport peut-être à leurs problèmes, s'il y en avait même. Quand je perds ma mère, j'ai 30 ans. C'est vrai, j'étais déjà bien âgée. Mais j'avais toujours besoin de quelqu'un à mes côtés. Mais elle m'a tendu la main en disant que ma fille, ta mère est partie, mais je suis là. C'est bien que quand quelqu'un vient demander ma main ici, je n'avais pas à me plaindre. Elle était là. Mais là où il y a eu apothéose, c'est que quand ma fille part en mariage, elle m'a montré qu'elle était capable de tout. Elle a mis les petits plats dans l'écran pour que le mariage de ma fille réussisse. De ce fait, je tiens vraiment à remercier cette maman, parce que je ne sais plus comment dire. Et aussi, je tiens à remercier deux de mes aînés ici, il s'agit de Marie-Louise et Charles, qui m'ont soutenu moralement, physiquement, matériellement et financièrement. Du séjour des morts. Il y a encore. Il y a encore plus de 690, verset 10, nous est dit. Il y a encore un grand bonus. Dieu a aidé. Quel salut pour vous. Merci pour cette petite journée d'intervention. Et nous passons la parole à l'une de ces belles filles. Pour pas se blâmer, elle a dit.
À l'heure où la terre de nos ancêtres, notre terre natale, Makak, la belle que je chéris tant dans mon cœur, va se refermer sur toi, je voudrais te dire, Adi, ma petite maman, ma source de motivation, ô combien je t'aime, encore aujourd'hui plus qu'hier. Tu savais que ce moment allait arriver. Il est si difficile pour moi de le vivre loin des miens. Pour te dire cet au revoir si bien mérité. Tu as été ma source de motivation et mon guide après le repos de ton mari, le duc Nsokambamba Emmanuel. Adi, j'aurais voulu de toutes mes forces venir te dire au revoir, mais il y a un trésor que tu m'as laissé il y a quelques jours, car je savais que tu m'avais ouvert les portes ici où je suis. Après tes multiples bénédictions à mon endroit et à l'endroit de toute ta progéniture, merci pour ton amour depuis l'âge de mes 6 mois. Comme une fleur, je t'ai vu partir progressivement. Je n'avais jamais passé un jour sans prendre de tes nouvelles. J'avais espoir de faire de ton au revoir ta plus grande fête. Ô Seigneur, que j'ai mal. Ô Seigneur, que je suis triste. Tu sais aussi combien je t'aimais. Je ne saurais terminer mon propos pour dire merci à mes mamans, Madame Kim Ibok Marie-Louise. Je te tire un grand coup de chapeau. Reste notre mère, reste notre deuxième Adi, parce que nous n'aurons plus jamais Adi. Merci pour le soutien que tu as apporté depuis très longtemps pour que notre matriarche puisse être au petit soin. À vous, Antoinette, Emilienne, Augustine, Sitaman, je vous envoie une enveloppe de 100 000 francs pour vous dire merci par rapport à tout le travail que vous avez abattu. Parce que si ce n'est pas votre mère,
Quelqu'un ne peut pas faire ce genre de travail que vous avez fait, quelquefois en abandonnant vos foyers pour rester au chevet de notre matriarche. Merci beaucoup. Restez soudés comme j'aime vous voir. Ma petite maman, l'heure est arrivée pour te réitérer mes remerciements pour tout. Tu sais, Adi, la mort n'arrête pas l'amour. Repose en paix, dame au grand cœur. Dine tem ne ka begel ne bember la pam nan bohol yangen le na ejom lu mu ni bo le dere bere se bele mama nyanga abi kalmele e bale bo ananga le meteha men be risak na boro poro hye metama girale lo pam ma beba so ni teleba nu le girale lo bim lo ni wo handu mu poro hye metama lo ni boro din yek na jam ha ben girana le lo bim lo. Toi, Ngonde Momo, Augustine, veuve et Sora Bamba, et Sora Bessorong, Nord Indopol, Lorunto. Et nous, le Kéjan, les sous. J'appelle au vent pour lui demander de t'accueillir. J'appelle au ciel pour qu'il t'offre un abri. J'en appelle à l'eau et à la terre pour t'offrir de quoi te vertir sur ce parcours vers l'Occident éternel. Dans mes fatigues superbes, jour de peine, jour d'allégresse, tu nous as toujours rassurés. Entouré par tes beautés d'âme et de corps. Dans mes fatigues superbes, mes fatigues sur la terre, sur le jour d'allégresse. Et tu nous as toujours assurés par tes beautés d'âme et de corps. Oui, madame était une belle femme, vous l'avez compris. Que tu as su chérir. Ici chez nous, ça revient. Tout le monde le fait dans le temps macaque. Nous t'avons vu à l'œuvre le matin vers le soir. Vas-y, ta part, ma mère. Tu m'as éduquée à affronter la vie. Tu m'as apprise à toujours dire la vérité, maman. Je fais cet effort. Je ne suis pas une sainte. Mais je veux toujours être aux côtés de la vérité. Amaria Kesulu. Suluyon Yabawe Lowon Yani. Je ne croyais pas si bien dire. Je t'avais promis essuyer tes larmes. Quand c'est jeune, je te voyais pleurer, maman. Dieu a permis que ces promesses aujourd'hui soient tenues. Je t'aime, maman. Hanano
Baba et Sora, Dorta, Loan. Aurélie, Sora. Jean-Paul, Sora. Sora Félix, Emmanuel, Sora Thérèse. Sora Emmanuel Junior, le Wadadjem Taman. Sora Marie-Rose. Moira, Sora Emmanuel Georges. Tu nous as toujours assurés par une bonté d'âneur et de corps. Adi, là c'est Billy qui passe pour tout. Amour et complicité étaient notre quotidien, toi et moi. Repose en paix, grand chante de l'amour. Tu sais, je t'aimerais toujours. Tu es là-bas. Jour de paix, nous allons être seuls. Tu nous as toujours assurés. Maintenant, on va danser comme on va danser dans sa vie. Voici le départ d'une dernière génération dans cette ville. Le nom de leur mari. J'appelle ici tous tes enfants. Voilà, le roi, nous sommes Augustine Clonel, voilà, nous sommes Désiré Aurélie, Gonquin Simon Martinadel, nous sommes Pambé Junior, Digne Mouretti, Coco, voilà, voilà, bon, nous sommes Agnès Emmanuel. Nous sommes à Patrick Bassina. Nous sommes au mot Patrick Nathan. Je suis un homme qui a été 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 un homme q
hanan kong isi Jibe ni yon bang Dada loke isi ni minhes Di yin bang isi Di di bo mi je Di di we mi je mi mu bang e Antumbo da kon afitango Ale si o so mi ngang mi dam Mama Augustine Absa Absilil. Men telemna men labena bombo ye nyule men ye dibisal bintung ndi mi hong la hayale ngira nye abentung bura ngira bo Rachel Manding ngira Rash ngira bo Maria Mamtamak ngira bo yik inyom likum bon wabena tungbura beri imem legebo I peble de yon mamo. Ndi mi teleb na nyule amba lombi. Mura ntumbura. To ni nga baga ningi nandap. Asalak mama ntumbura. Ati nami semwe. John a mama. Ti bagwe la rebong le. Ti huwa le. Ti lawe lo le rekawe le. Du repos mama. Va repos en paix. Ntumbura a glisse ma kassan. Isa ya bwe noelam. Peut-être avant de revenir à la coïncidence, l'église presbytérienne camerounaise a ceci lorsque une personne passe de vie à trépas de rendre témoignage en ces mots. Soit la chrétien ou le chrétien qui est décédé était un délinquant primaire, c'est-à-dire il n'assumait pas ses charges de l'église, ou alors c'était un chrétien, une chrétienne active ou actif selon le sexe en participant aux différentes activités de l'Église. De ce qui est de Maman Augustine, nous venions ici lui donner la Sainte Cène par l'entremise de nos catéchistes et quelquefois nos pasteurs. Et nous pouvons l'affirmer que Maman Augustine va en paix, étant en harmonie avec l'Église, et que le nom de l'Éternel soit glorifié pour elle. Cependant, nous l'avons dit en amorce, coïncidence pour coïncidence, Maman Augustine est enterré, du moins, va décède au moment où nous avons programmé de manière officielle une offrande spéciale de construction. Curieusement,
lorsque nous voulons l'enterrer, on l'enterre également, alors que demain, mais nous voulons reconnaître que nous ne pouvons pas laisser cette maman, cette femme de l'église partir comme ça, alors que demain là, il y a offrande spéciale de construction. Elle travaillait à l'église, participant régulièrement aux activités de l'église. Et je dis, coïncidence pour coïncidence, ah ouais, Ingela Berimbok, l'instrument est le 18. Quelques temps après, Maman Augustine Awo. Ingela, le 18 a bébé. Halle famille a yonté. Le Halle Vanjoul, Maman Augustine. Mais on va rentrer à l'intervalle, il n'y a pas de soucis. Maman Augustine Abiboro Somwinda Yara Hantung, elle a commencé à acheter une fenêtre là à l'église, là à la paroisse. Et la fenêtre coûtait 260 000 francs. Je préfère le dire comme ça. C'est les fenêtres en alu, hein. Donc, moi, je voudrais me soumettre à la volonté symbolique du temps. Quand on accompagne maman alors qu'il y a l'offrande spéciale de construction, ça veut dire les braves fils de cette maison doivent acheter. Pas demain. Ils ne seront plus là. Je veux ça maintenant. Doivent acheter leurs fenêtres. Et notre désir, c'est... Je mets dans le cabas, il n'y a pas de souci. Ok. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. Là dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a six choses que hait l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et c'est lui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil.
Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Parole du Seigneur. Yo Mahmoud, ni mood bon op, libe. Nyen ahum. Nyen ahum, ni bi porol, bi mkora. Anker mis, aporo, ni makoumi. Anigara, ni dinoti. Ingemwe, ewe, nkarada, nkarada. Anko ubaka teba ngila yosuna ayi mwasmbo lemindang John Duruye ya lo biti ya lo biti bilung ampu kunda ampura kunda yala aba alabe tibla ampu kunda yala alabe tibla mam Yehova ango mai masambo. Masambo, Masunga Hanyengem, Miss Mango, Hilim Hibitembe, Nimo, Manku Machi, Mangi Sohe, Ingemwe, Nkuba, Ihigida Biba, Makume, Mahongwe, Inno Mamabe, Munbogu Bitembe, Nuampot Bitembe, Yani Nu, Awasbu, Le Mindang, Ikiri, Lugun Sang. Amanwem, tira le tinglin song, uyek bang, binigan abinyu, kangwamu ngemwong, gira yosuna, tingwamu ikingyong, gira unke, wa igawe, inke kar, Matthew. Car Mateo yang kane bongale ibalam madame meki malam dole ibabe madame meki mabe inyule inyina inyu madame ambong abon mabe lela bebut babe nin la pot imam malam. Et nous les maillons, ils n'aiment pas, ils n'ont pas. Longue mout, ils permettent, mais longue, mais même, ils guérissent les soldats, les coups, les lames. Ils débarquent, ils permettent, ils débarquent, mais même, ils guérissent les soldats, les coups, les bêtes. Ils disent même calme, les hiyara, bangabout, bampot. Panti me inyuye ngwambari inyu bibanga gwong nyen wakila le utisip inyu bibanga gwong kinyen wakuhul mbari inoos nkila bele siningi bare tarbe dile pururi nyameli ni no inga. Amen.
Le portrait de l'homme pervers ou l'homme inique, selon la parole qui est lue. La perversité, c'est la tendance à faire le mal consciemment par plaisir de nuire. Alain Norlet, c'est un pervers. Il fait le mal par plaisir de nuire. Et l'iniquité, c'est le caractère de celui qui est inique, c'est-à-dire injuste, de quelqu'un qui est partial. Il est intrinsèquement mauvais. Et le mal habite pourtant tout l'être entier. Et alors, il le pratique, comme le dit la parole, par les yeux, par les pieds, par les doigts, par le cœur et par la bouche, la malbouche. Les yeux, qui ne se rassasient pas de voir. Et qui finissent par induire la convoitise. C'est la bombe où la plupart parmi nous. Ne tournez pas tes yeux au mal. Ne cours pas au mal. Peut-être que je parle mal et je dois plutôt lire le texte. Le texte dit, la pauvreté dans la bouche. Nous avons placé la Bible comme un miroir. Il marche la fausseté dans la bouche. Il crie les yeux. Parle du pied. Allez. Thomas Combe. Je risque de vous intimider tout à l'heure que personne ne sera plus de mouvement parce qu'on va croire qu'on dit ces mouvements. Soyez libre, hein? Écoutez-moi plutôt. Il parle du pied. Fais des signes avec les doigts. Dieu seul sait quels sont les contrats que nous dressons entre nous, avec nos mains, avec nos pieds. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Et c'est là où Maman Augustine intervient pour dire abonne Yerbe, ni Baba Nhala, ni Noré. Pour Mandam Kirbe, Yahweh Vanar Yebon, au large, et Baba Nhala. Que ce ne soit pas ainsi. Pour ne pas revêtir le caractère pervers. Pourquoi? Parce que Dieu a horreur de l'homme pervers ou de l'homme méchant. Il fait mention de 6 choses ou de 7 qu'il ne veut pas. La mention de 6 et même de 7 traduit le fait que la liste des péchés de l'homme qui n'est pas en Dieu n'est pas exhaustive. Et Dieu a en horreur ces moindres qui sont cités. Les yeux hautains, beaucoup. La langue menteuse. Et bien, les mains criminelles, soumets. Et bien, soumets, Dieu, il est là pour nous. Il est là pour maman, il est soumets. Et donc, la règle, je me viens de dire non, mais il y a des petits sons, mais qu'il y a des yama. Le cœur corrompu, les pieds agiles au mal, le faux témoin ou les faux témoignages. On ne va pas calmer tout, on ne va pas calmer tout. Mais on ne va pas calmer tout. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et des provocateurs. Maman, la vénère est là. Les bourbons normaux et amis, que ces gens nombreux à son deuil aient une peinture ou bien ressemblent quelque peu à
cette description que fait la Bible. C'est donc en cela que Apocalypse verset 21, chapitre 21, verset 8 dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. De l'homme n'y a qu'il n'y a pas. Quand on a l'air, il y a un homme qui a l'air, il y a un homme qui a l'air, il y a un homme qui a l'air. 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 Tu as prophète. Tu as un cadeau. 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 Que ce ne soit pas des gens aux yeux hautains, à la langue menteuse, aux mains criminelles, au cœur corrompu, aux pieds agilomanes, aux faux témoins. Pour les faux témoignages ou aux provocateurs qui provoquent des querelles. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, sur ta famille, et ma bénédiction sur tes rejetons. Le Dieu qui t'assure pendant que tu t'envoies. Je demande au pasteur de s'associer à moi pour la bénédiction. Que Dieu répande les ruisseaux féconds sur vos corps desséchés. Que Dieu répande son esprit sur cette famille et sur ceux qui sont venus pour partager la compassion. Que la bénédiction de Dieu soit sur tous les enfants et toute la famille. Et que Dieu lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous bénisse et qu'il vous garde. Allez dans sa paix. Amen. Ma Augustine, Jojon Liba Saibak, il avait collaté, il est un bourreau, il est un bourreau, et il a la camouette, Jojon Liba Saibak. Amen. Les portes. Oh, les nerfs. Madame, maman, maïe, oh, 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 Yeah.
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.